Ça, c'était juste pour tester. Donc, moi, je vais l'enlever. Je l'efface. J'efface également ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est cette aide-là, je vais. Bon. C'est cette aide-là, je vais l'éliminer en faisant ceci. User.setMédecin. Et je dois ajouter ici un médecin réel. Dans ce cas, le médecin, pour récupérer le médecin, je vais directement. Instancier médecin M. Et dans médecin M, on avait défini une méthode nommée get qui permet de récupérer un médecin à partir de l'identifiant. Et là, maintenant, c'est à ce niveau que je vais maintenant ajouter le integer, l'ID de médecin, c'est-à-dire integer parenthèse médecin, comme ça. Int ID et on passe l'ID. Ou encore, on pouvait directement faire ceci. Là. Ça, c'est plus rapide en fait. Et je vais faire la même chose aussi pour dans le cas où c'est une secrétaire. Là, je vais utiliser. Secrétaire m.get. Ah, on n'avait pas défini une méthode get ici. Ah, si. Mais là, ce sera set secrétaire. Voilà, et voici le code qui va nous permettre de bien gérer les médecins ainsi que les secrétaires. Par défaut, les deux sont à nul. Après, on va vérifier, mais si réellement la personne qu'on a récupérée est un médecin, donc un médecin est différent de nul. On ajoute ici le médecin. Sinon, maintenant, bon, c'est une secrétaire et là, on récupère.